Bonjour à tous. Alors maintenant, après avoir parlé de comment j'ai géré l'anxiété, comment j'ai décidé que ce symptôme-là, il n'allait pas me gâcher la vie, il n'allait pas choisir pour moi où je devais vivre et ce que je devais faire, je vais vous parler de la dépression. Parce que j'ai été très très déprimée après l'arrêt des médicaments, parce que c'est là qu'on réalise tout ce qu'on a perdu. Donc c'est violent, c'est voilà, de réaliser qu'on a perdu des années de notre vie, qu'on a perdu des relations amoureuses, amicales, qu'on a perdu notre travail, qu'on a perdu une partie de nos capacités cognitives, qu'on a perdu le sommeil, qu'on a perdu le corps qu'on avait, parce que souvent il a beaucoup été modifié par la prise de médicaments, soit on a pris du poids, soit on a perdu hyper rapidement, qu'on a perdu notre autonomie, qu'on a perdu notre indépendance, qu'on a failli mourir, et surtout que les gens ont continué à vivre à côté de nous, pendant que nous on s'écrasait. Voilà, ça déprime. On se voit plus d'avenir. Tout ce qu'on voit, moi ce que je voyais c'était mes quatre murs, et puis ma solitude, mes journées seules. Voilà, c'est très déprimant de se dire que bon, on a mené tout ce combat contre la médication, on a souffert des années, on a réussi à arrêter pour se retrouver où? Seul, chez nous, mais conscient de tout ce qui se passe. Des fois, on a envie de se dire, ben, c'était mieux quand j'étais pas consciente de tout ce qui se passait, je vais me rassommer de médicaments, parce que c'est très très déprimant d'avoir tout perdu, d'être enfermé là et d'avoir plus rien. Voilà, on n'a plus rien. D'avoir failli mourir, d'avoir battu, d'avoir mené un tel combat que personne ne voit, on est complètement déprimé. En plus, avec tous ces symptômes qui restent, c'est la fin du monde, quoi. Donc là, j'étais très 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 en bas. J'étais au fond du trou. J'ai souvent pensé à mourir, parce que je me suis dit, bon, j'ai réussi à faire à sortir de la médication, mais pourquoi pour ça? Autant mourir. Au moins j'aurais gagné ce combat. La médecine ne m'aura pas tué, les psychiatres ne m'auront pas tué, mais c'est moi qui choisis d'en finir. Donc j'ai pensé à tout ça. Quand on est au fond du trou, on pense à tout. Et puis j'ai gentiment compris que ce qui me déprimait, c'était que j'étais pas, que j'avais tout perdu, ce que j'avais avant, mais que l'avenir m'appartenait. Que peut-être tout ce que j'avais perdu, mes relations avec ma famille, mon travail, oui, j'étais déprimée pour ça, mais en même temps, je regardais l'autre côté et me dire, oui, mais j'ai tout à construire de l'autre côté. Ça peut être motivant de tout reconstruire. J'étais déprimée parce que j'avais tous ces symptômes, j'étais plus la personne en pleine santé, qui avait plein d'énergie, une bonne mémoire et tout ça. J'étais déprimée d'avoir perdu tout ça. Mais d'un côté, je me suis dit, ouais, mais ça, tu peux le retrouver. On sait que le cerveau est malléable et s'adapte. On a découvert la neuroplasticité. Le cerveau peut se reconstruire, donc il n'y a rien qui est perdu. Oui, tu as perdu tes capacités cognitives maintenant, mais c'est pas figé. Tu pourras les reconstruire derrière. Donc ça, c'est pas venu tout de suite. D'abord, on est au fond du trou. C'est venu après que j'ai déjà enlevé les peurs et les angoisses grâce à la méthode de Geert. Donc méthode de Geert en 2010. Et puis après, entre 2010 et 2011, je me suis dit, maintenant que tu as réussi à sortir de cette anxiété, il faut que tu sortes de cette déprime. Oui, tu n'as plus rien autour, tu peux sortir autour de chez toi, mais tu peux rien faire, enfin, tes journées sont vides, oui, c'est déprimant, tu as perdu tout le monde, mais maintenant, il va falloir reconstruire tout ça. Tu ne peux pas rester déprimé au fond du trou, t'être battu, avoir déjà réussi à sortir de chez toi, puis rester encore au fond du trou, déprimé, parce que tu n'as plus rien. Si tu n'as plus rien, il faut te recréer les choses. Mais c'est dur de repartir à zéro alors qu'on avait tout avant, que tout marchait bien avant, c'est très dur de repartir avec plus rien. Il faut se reconstruire, il faut reconstruire son identité, parce qu'on ne sait plus trop qui on est, on a été pendant des années une autre personne. Donc là, il faut se reconstruire, on est complètement perdu et ça déprime parce que
On a tout perdu, notre identité, ce qui on était, notre place dans la société, notre fonctionnement cérébral, nos idées, nos motivations, on a tout perdu, c'est déprimant. Donc c'est là qu'il faut pas se dire, bah, j'ai tout perdu, tant pis, voilà. Autant tout perdre, autant que je me liquide. Non, il faut se dire, je peux reconstruire, c'est des pertes temporaires, ça se reconstruit. Et c'est là qu'il faut vraiment avoir la volonté d'agir et de reconstruire, parce que c'est vrai que on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, tellement il y a de choses à refaire, et puis que c'est déprimant, quoi, de plus avoir les capacités en plus pour le faire, par exemple si on veut juste aller chez le coiffeur, on doit quand même demander à quelqu'un de nous amener, parce que la méthode contre l'anxiété m'a permis d'aller un tout petit peu dehors chez moi, mais j'arrive pas encore à aller chez la coiffeuse. Donc c'est très déprimant d'avoir un quotidien vide et que les seules choses qu'on arrive à faire, on doit encore demander à une autre personne, on n'est pas capable de les faire soi-même. Donc là, j'ai cherché un nouveau moyen de vaincre la déprime, la dépression, et puis je me suis dit, ouais, il faut que je reconstruise ma vie, c'est le seul moyen que j'arrête de déprimer, il faut que je m'occupe. Faut que je m'occupe la tête, il faut que j'aille mieux, quoi, que je me construise quelque chose autour pour pas que je sente ce vide autour de moi, cette inutilité que je suis. Il faut que je construise quelque chose. Alors là, je me suis dit, comme moi j'aime bien apprendre, j'aime bien les informations, j'aime bien comprendre, mon truc c'est de travailler la tête, puis j'avais perdu énormément. J'ai décidé de prendre des cours par correspondance, bien sûr, n'arrivant pas à trop sortir. J'avais décidé au début de prendre des cours de secrétariat médical, parce que c'était les seuls cours par correspondance que j'avais trouvé. Donc, avant de m'engager dans mes études, j'ai fait des études de secrétariat médical et ça m'a permis de me donner un objectif. Je me suis dit, voilà, ça va me permettre de trouver un travail, je peux les faire à la maison, comme ça j'apprends plein de choses, je commençais à retravailler ma mémoire. Et chaque fois, ces petites victoires, le fait d'arriver à mémoriser un peu plus, de comprendre de nouvelles choses, de penser à autre chose que ce qui ne va pas, de penser à autre chose, mes symptômes, me plonger dans la lecture de mes cours, ça m'a permis de me sortir un petit peu de tout ça, de tout ce vide, de tout. Toutes ces journées vides mais juste remplies de symptômes, ça m'a permis un peu de sortir tout ça, de prendre du recul, me dire oui, il y a autre chose dans la vie, oui, j'ai pas tout perdu, je peux encore refaire fonctionner mon cerveau, je peux lui demander des choses. Donc là, de porter mon attention sur autre chose que les symptômes, sur le vide autour de moi, ça a commencé à me redonner un peu d'espoir, un peu d'énergie pour faire les choses. Donc voilà, j'ai réussi ces cours, j'ai été passer les examens sur place, c'était terrible. Entre les symptômes, diarrhée, enfin, bon, insomnie, enfin, vous connaissez, c'est assez horrible, il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Mais j'avais réussi quelque chose après le sevrage. J'avais réussi. Après avoir réussi à vaincre, à gérer ma peur. Même si j'allais pas très loin, j'avais réussi à sortir de chez moi, après avoir d'attaques de panique dans ma maison. Après avoir réussi ça, je réussissais une autre chose. Je réussissais des cours de secrétariat médical. J'avais un diplôme. Moi qui n'avais pas réussi à avoir de. Qui n'avais pas réussi à finir mes études à cause de la médication qui m'avait tout coupé, j'avais réussi à finir un cursus. Donc là, ça m'a redonné l'élan. Après, j'ai été. Pour vaincre ce qui nous déprime, il faut reconstruire quelque chose. Parce que j'ai l'impression que la dépression vient parce qu'on est dans le vide, dans ce no man's land, dans ces ruines. On n'a plus rien, tout est vide, on est seul. Personne ne comprend par où on a passé et pourquoi c'est si difficile pour nous de reprendre le train en route, de se réinsérer dans la société. On n'a rien. Tout ce qu'on pense toute la journée, c'est les symptômes. Tout ce qu'on fait, c'est aller regarder sur Internet. Ah ben oui, les autres, ils ont aussi ça, mon Dieu, ça passe pas, ils sont, mon Dieu, c'est la catastrophe, chez personne, ça s'améliore, ils sont tous, ils dorment pas, tout le monde est tout en bas.
C'est déprimant, il n'y a pas à dire, c'est déprimant. Voir que dans son quotidien, pour ceux qui ont une famille, ils n'arrivent pas à être là pour leur famille, ils n'arrivent pas à suivre leurs activités, ils voient que c'est leur femme, leur mère, leur mari, leurs enfants qui font tout pour eux parce qu'ils sont complètement affaiblis par tout ce qu'ils ont vécu. C'est très déprimant de se dire on est dépendant des autres, on est inutile, on sert à rien. C'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on se dit franchement quand on a arrêté la médication et puis qu'on réalise le no man's land dans lequel on se trouve et puis qu'on est un boulet pour les autres, c'est très déprimant. On se dit bon, je pense comme la fourmi ou l'éléphant qui sent que dans sa tribu il sert à rien mais qu'il a un fardeau, il a envie de mourir, quoi, il déprime. Quand on se sent inutile et en plus qu'on est un boulet pour les autres, on est au fond du trou, on déprime. Donc là, pour sortir de la dépression, j'ai décidé que j'allais faire quelque chose, que j'allais pas laisser cette dépression m'enfoncer et me faire devenir encore un plus gros boulet pour les autres, me faire encore devenir plus inutile pour la société. Donc j'ai décidé de reprendre ma place dans la société par les divers cheminements pour reprendre sa place dans la société. On a une place au niveau du travail, on a une place au niveau de la famille, on a une place au niveau des relations sociales, on a une place dans son village, on a une place au sein de la ville. On fonctionne avec les autres. Ce qu'on a eu avec la médication, c'est qu'on est sorti de ce fonctionnement de la société, on est mis en berne, on est sur le côté de la route, et puis on regarde des gens passer. Et bon, ils fonctionnent, ils roulent, puis nous on est un boulet parce qu'ils doivent s'arrêter pour nous aider un petit coup. Voilà. Donc il faut réintégrer, reprendre cette route, reprendre le chemin de la société, re-rentrer dedans. Alors moi j'ai commencé à re-rentrer à l'intérieur en allant voir ma famille. Bon, c'était pas une mauvaise idée parce que c'était une mauvaise idée parce que. Il pensait que j'étais tarée. Donc, c'était pas la meilleure chose à faire, mais ça m'a permis de reprendre contact avec des humains, d'essayer de reprendre ma place dans la société. Bon, j'ai repris ma place au sein de ma famille, je suis revenue la malade mentale qu'il faut traîner partout, mais voilà, c'était pas très sain. Mais j'ai commencé à prendre une petite place. Ensuite, j'ai commencé à décider de prendre une place au sein du travail en essayant de faire des formations, en essayant de trouver comment travailler. Mais ça, c'est plus dur parce qu'on rentre directement dans des situations de stress intense dans le travail. Donc, j'ai opté pour me réinsérer dans la société par le sport. Donc, au lieu de tourner autour de ma table, j'ai finalement réussi à sortir, puis aller dans un club de sport. Et puis là, j'ai commencé à me réintégrer aux autres, à reprendre ma place. J'étais comme les autres, je pouvais faire le sport comme les autres, un peu plus difficilement parce qu'on est un peu rouillé après tout ce qu'on a vécu. Mais comme j'ai toujours été sportive, ça m'a aidé à reprendre contact avec la société, à reprendre mes marques, à me sentir moins inutile parce que j'étais capable de faire quelque chose en groupe. Donc je commence petit, hein. Après, j'ai essayé de réintégrer les réunions de famille. Bon, j'essaie toujours de réintégrer la famille parce qu'on a envie qu'ils nous aiment, donc on essaie de réintégrer. Mais ce n'était pas une bonne solution non plus. Ça a été, ils ont vu que j'allais mieux, mais ils sont toujours méfiants. Ils ont toujours cette idée que je vais tomber malade à n'importe quel moment. Après, j'ai commencé à intégrer la. On a déménagé avec mon conjoint et j'ai commencé. Donc en 2009, on avait déménagé. J'ai commencé à essayer d'intégrer la vie sociale du village en allant dans les tea-rooms, en essayant de discuter avec les gens. Bon, j'avais un chien, ce qui aide pas mal parce que les gens s'arrêtent et puis discutent parce qu'ils vont y passer tous les jours avec le chien. Donc voilà. Mais si vous faites votre activité physique modérée en marchant quelque part, essayez de discuter avec les gens qui sont assis sur les bancs, les personnes âgées. C'est comme reprendre contact avec la société, mais pas trop violemment, parce qu'on peut repartir
Des fois, c'est des inconnus, donc c'est pas trop grave. J'ai commencé à faire du yoga dans le village où j'étais, donc j'ai commencé à reprendre une place à ce niveau-là. Les gens me connaissaient dans le village, ils me parlaient, ils m'aimaient bien. Donc ça m'a redonné l'espoir que je n'étais pas inutile, que je pouvais au moins servir à discuter avec les gens, à faire quelque chose. Voilà, j'étais... Tout à coup, je pouvais presque trouver une place. Mais la meilleure place que j'ai trouvée, c'est sur Internet. Ah, j'ai commencé par écrire un blog en 2010 sur ce qui m'était arrivé, en me disant il faut que j'informe les gens. Et puis après, je suis intervenue sur le forum de Michel pour aider les gens. Et là, j'ai vu que j'avais ma place, que j'avais une place quelque part, que je pouvais être utile, que voilà, j'étais pas un poids mort. J'avais une place, donc ça m'a redonné une raison de vivre et de commencer à ne plus déprimer de ce vide que j'avais autour de moi. Et puis, je me suis décidée à faire des vidéos en 2012 en me disant, bon ben, c'est risqué parce qu'on va voir ton image, tu vas parler de sujets tabous, des choses dont on ne parle pas, des choses dont la médecine, que la médecine cache. Donc ça va être violent, tu vas peut-être avoir des retours violents, mais allez, lance-toi, essaye d'informer les gens sur ce qui se passe, essaye de leur donner la main, de les faire avancer, ça va te permettre de faire quelque chose, de te sentir utile. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de réponses positives. Les gens apprécient donc que je parle de mon parcours, de comment je m'en suis sortie, et de... Voilà, que je parle de ce qu'ils vivent. Donc là, j'ai retrouvé ma place, une place dans la société au travers d'Internet. Donc c'est aussi une chose que vous pouvez faire au travers d'Internet, c'est peut-être un peu plus anonyme. Je pense que c'est bien de reprendre une place dans la société déjà physiquement, avec les gens qui nous entourent, mais rien ne vous empêche de commencer sur Internet. Voilà, après j'ai été contactée par la chaîne de télévision suisse pour faire un reportage. Donc j'ai trouvé mon utilité et petit à petit... je ne pensais plus à tout ce que j'avais perdu, ce qui me déprimait. Je commençais à penser à la place que je pouvais prendre et que j'avais une place dans cette société, que je pouvais faire quelque chose pour les autres. Et puis là, j'ai recommencé à avoir de l'énergie, à sentir que je n'étais pas inutile et que je pouvais vivre, que j'avais le droit de vivre, que je pouvais faire quelque chose de ma vie. Donc le fait d'avoir... de voir le futur positif, de voir les retours positifs, de penser positivement que j'étais quelqu'un de bien, que je pouvais faire quelque chose, ça a commencé à me sortir de la dépression. Je vous parlerai dans une autre vidéo de ce qu'est la dépression et des différentes techniques, différentes théories des chercheurs sur ces mécanismes et sur comment s'en sortir. Voilà, j'espère vous avoir donné encore de plus amples informations et vous avoir motivé à prendre votre vie en main pour vous reconstruire. À bientôt, au revoir.